Bonjour à tous, est ce que vous nous entendez suffisamment? Je pense qu'il faut peut être euh, voilà monter un peu le son. Est ce que comme ça c'est bien? Ok. Eh bien bienvenue à tout le monde. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Julien Masson, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon et qui travaille depuis plusieurs années sur la question du bien-être à l'école. Il a notamment publié un ouvrage qui s'appelle La bienveillance à l'école, et puis un encore plus récent qui s'appelle Promotion de la santé et réussite scolaire. Donc c'est deux ouvrages vraiment très utiles, très intéressants. Et euh, donc, euh, je vais sans tarder lui laisser la parole pour euh, vous parler de cette question euh, très importante aujourd'hui qui fait partie euh, des priorités de l'éducation nationale, hein, puisque ça a été euh, euh, nommé par euh, le ministre de l'Éducation nationale comme une des trois priorités pour euh, cette année. Super, merci beaucoup, Rebecca. Euh, merci pour l'invitation. Je n'ai pas souvent l'occasion de venir à Grenoble, pourtant est, je ne suis pas très très loin, mais euh, voilà, donc euh, un plaisir, euh, plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais peut-être m'asseoir du coup parce que je me connais. Si je suis debout, je vais me balader, et comme c'est euh, filmé, ça va poser problème. Euh, oui, donc effectivement, bah, comme euh, Rebecca euh, le rappelait, clairement le bien-être, on en parle pourtant depuis de nombreuses années à l'école. Euh, c'est enfin écrit euh, noir sur blanc. Tu évoquais le, le livre, euh, merci, sur, le, sur la promotion de la santé à l'école. Euh, voilà, là aussi, hein, euh, j'en parlerai un petit peu, les écoles promotrices de santé, ça a été inscrit, c'est arrivé en 2020. Euh, pareil, écrit noir sur blanc euh, dans, les, dans les instructions officielles et dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, donc c'est super. On s'est enfin aperçu que le bien-être était utile pour les apprentissages. Alors les praticiens que vous êtes, j'imagine, pour certains, certaines dans l'assistance, la, dans la, dans vous en étiez rendu compte bien avant. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de, de, de conjuguer cette pratique et en même temps la, la recherche. Et on voit que bah, c'est complètement, complètement cohérent. Le propos du jour voilà, c'est le bien-être à l'école, et vous allez voir que quand on parle de bien-être à l'école, on est obligé de parler un petit peu de santé. Euh, alors, je crois que la formule, hein, c'est trois quarts d'heure et puis après question, donc euh, je vais dérouler et puis euh, gardez bien les questions si jamais, euh, si jamais vous en avez pour la suite. Et c'est ce que je vous disais, en fait, le bien-être, bah, c'est constitutif de la santé. Moi, j'aime bien attraper ce bien-être par. Le bout de la santé, parce qu'en fait, si on se réfère à la définition, vous voyez, qui est déjà bien ancienne, hein, 1946, publiée en 48, je crois d'ailleurs, de l'OMS, euh, qui nous dit que la santé, c'est pas simplement une absence de maladie. Et on a un peu eu tendance à l'oublier depuis ces années de Covid, où euh, on s'est vraiment protégé pour la maladie, mais on s'est aperçu que c'était bien plus large que ça. Et pourtant, vous voyez, 46, on était déjà au clair là-dessus. La santé, c'est du bien-être, et le mot bien-être hein, est dans la définition du bien-être physique, effectivement, pas avoir de maladie, mais c'est aussi du bien-être psychologique, et c'est aussi du bien-être social, alors psychologique ou mental, c'est la même chose, et du bien-être social. Ces trois bien-êtres constituent la santé. Donc, s'occuper du bien-être des élèves, c'est aussi s'occuper de leur santé. Et le mot santé à l'école... Bah, il n'est pas naturel. Alors, il est naturel pour les soignants, euh, les infirmières sco ou les infirmiers sco, scolaires, euh, les médecins scolaires. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on se dit toujours, bah ouais, mais la santé, n'est pas tellement mon truc. Chacun son job. Moi, c'est l'éducation et les soignants, c'est la santé. Or, en fait, on s'aperçoit que si la santé, c'est clairement le boulot euh, de l'éducation nationale aussi, notamment via ce fameux bien-être mental et ce bien-être social, puisqu'on voit bien que on va pouvoir Aisément y agir dessus. Il y a plein de modèles du bien-être. On va, moi, j'en utilise un que, que j'aime bien parce que je trouve qu'il est très parlant et il est très parlant surtout à l'école. Euh, C'est le modèle d'Edouard Diener, qui est un psycho, euh, qui était un psycho. Il est décédé en 2021. Edouard Diener, euh, un psycho américain qui s'est beaucoup intéressé durant toute sa carrière universitaire au, au bien-être. Et qui dit qu'en gros que le bien-être d'une personne, le bien-être d'un individu, c'est une somme, une addition de satisfaction de vie. Lui, il appelle ça le bien-être subjectif, et il nous dit que le bien-être subjectif, c'est d'un côté les affects positifs, les émotions positives, et de l'autre côté les émotions négatives. Ça. A une voilà, il le précise. Il dit, bah ça, c'est compliqué de le mesurer parce que c'est vraiment très dépendant du contexte. Et puis au milieu, hein, vous le voyez, ce qu'il appelle lui la, satis la satisfaction de vie. Donc pour lui, satisfaction de vie égale bien-être. Et pour les élèves, il met à jour cinq satisfactions de vie. La satisfaction de vie par rapport à soi-même, par rapport à l'élève lui-même, qu'on pourrait rapprocher un peu de l'estime de soi. Est-ce que je suis bien avec moi-même Mais aussi de la satisfaction de vie par rapport à sa famille, à son noyau familial, frères, sœurs, parents, sa satisfaction de vie par rapport à l'école, et là, ça nous concerne complètement, la satisfaction de vie par rapport aux amis, aux, rel aux relations, aux pères, PRS et puis une satisfaction de vie par rapport à l'habitat, ce qu'il appelle l'habitat, mais c'est la maison, l'appartement, le quartier, le milieu de vie, on pourrait dire. Et pour Dinner, bah, quand on ajoute toutes ces satisfactions de vie, on obtient un indice, un score. En tout cas, on arrive à évaluer le bien-être de cette personne-là. Je vous en reparlerai après de ce modèle-là, parce que nous, on l'a utilisé dans, dans une recherche, et, et il y a une, les, le collègue, là, Fabien Fenouillet, l'a utilisé lui dans une autre, pour un petit peu voilà, mettre à jour certaines choses. Alors, pourquoi s'occuper du bien-être à l'école Elle est un peu euh, évidente. Ma question, enfin, j'imagine que. Vous êtes tous convaincus de la nécessité dans cette salle, de la nécessité de s'occuper du bien-être à l'école. Ça apparaît une évidence, peut-être vous, professionnels ou futurs professionnels de l'éducation, je vous assure que ce n'est pas une évidence. Quand on discute un peu. Je suis un ancien prof des écoles. J'ai enseigné pendant 13 ans en enseignement SP et en enseignement ordinaire. Quand je parlais du bien-être des élèves, je ne faisais pas toujours auprès des parents d'élèves. Je n'arrivais pas toujours à les convaincre. Ouais, vous êtes bien gentil, monsieur Masson, mais et les matels français Oui. Et ok, et pas de problème. Je remets pas en cause les matels français, mais peut-être que s'ils sont pas bien, de toute façon, les matels français, ça, on n'y arrivera pas. Donc peut-être commençons à, à faire tout notre possible pour qu'ils se sentent bien, et puis après, ils pourront peut-être apprendre. Donc ce n'est pas tant une évidence, et comme tu l'as rappelé, heureusement maintenant, les enseignants sont plutôt tranquilles par rapport à ça, et peuvent dire non, non, mais c'est écrit dans le programme. C'est ma mission. Donc ça, c'est intéressant. Pour encore aborder cette nécessité de travailler le bien-être, je reviens encore à mon histoire de santé. Puisque je vous rappelle, le bien-être est constitutif de la santé. On pourrait même faire un raccourci. Hein. Bien-être égale santé. Regardez cette petite fille-là qui va symboliser sur mon schéma la santé. À quoi est dû... Sa santé Qu'est-ce qui va impacter sa santé Eh bien, cette étude nous montre que sa santé, elle est due pour 15% à des facteurs biologiques, à des facteurs génétiques, la fameuse hérédité. On pourrait encore en discuter, on pourrait encore nuancer, parce qu'avec tous les, les travaux sur l'épigénétisme, euh, on pourrait encore nuancer. Mais en moyenne, hein, c'est issu d'un modèle théorique de, de méta-analyse on a analysé des, 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 des recherches. Eh bien, bon, on, peut, on, on peut estimer à 15%. Euh, L'impact génétique sur notre santé. Et puis vous voyez tout en haut à gauche, l'environnement social et économique pèse pour 50% dans la santé de l'individu. Et l'environnement social et économique, c'est l'école. Hein. Alors il n'y a pas que l'école, bien évidemment, mais l'école compte énormément. Il y a tout le périscolaire aussi. Il y a les associations, il y a les clubs sportifs. Tout, tout ce qui constitue l'environnement économique et social de l'enfant. Donc vous voyez que l'école voilà, impacte pour 50% dans la santé de l'élève. Alors via notamment hein, les comportements, je vous ai mis quelqu'un qui fumait, euh, via les comportements, mais via l'esprit critique, euh, via la capacité à communiquer, on évoquera tout à l'heure un petit peu les compétences psychosociales, un petit peu rapidement, c'est justement parce que je suis en capacité d'acquérir ces compétences psychosociales et que je les ai acquises que je vais pouvoir faire un petit peu attention à ma santé. On en reparlera. Pour 10% c'est l'environnement physique. Bah oui, on peut se douter que euh, vivre en pleine campagne ou en haut de la montagne, ça va peut-être être mieux pour notre santé que de vivre à côté d'une usine qui émet euh, des, euh, des produits nocifs. Ça paraît évident comme ça, mais il y a des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, traîtres qui se cachent. Un collègue du labo qui est euh, euh, qui, euh, tabacologue nous disait qu'il avait, il avait lu une étude. Euh, qui dit que si vous êtes en sevrage tabagique, hein, un adulte qui sera en sevrage tabagique, s'il si y a un bureau de tabac à moins de 200 mètres de chez lui, ses chances d'arriver à arrêter de fumer sont divisées par deux. Donc simplement parce que dans son environnement physique il y a un bureau de tabac, eh bien ça va aller impacter directement sa santé en réduisant ses chances d'arriver à arrêter de fumer. Cet environnement physique pour nos élèves, alors il y a forcément, oui, tabac, bien évidemment, pour les collégiens dès la quatrième, souvent. Euh, on sait que c'est la quatrième qui est un peu charnière pour la consommation alcool-tabac chez les ados. Euh, mais moi, je pense aussi euh, regarder aux élèves, pour les, les enseignants qui sont là, euh, dans quel quartier ils habitent, regarder ce qu'ils ont, euh, l'offre alimentaire, l'offre, euh, etc. Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme restaurant, qu'est-ce qu'il y a comme fast-food, qu'est-ce qu'il y a comme lieu de culture. Tout ça va avoir un impact. Donc cet environnement physique va avoir un impact. Et puis en dernier, on trouve le secteur des soins. Le secteur des soins compte pour uniquement 25%. Je dis uniquement parce que moi, quand j'ai trouvé ce, ce, ce modèle, ça m'a plutôt surpris. Parce que j'avais encore cette vision euh, santé égale, pas de maladie. Si je veux pas de maladie, je veux soigner. Donc je veux des hôpitaux. Et des médecins, bon, on s'aperçoit que oui, ça compte, mais ça compte pour 25% dans la santé d'un individu, individu. Donc ça ne compte pas tant que ça. Ça ne compte pas énormément. L'école compte presque plus, enfin en tout cas le pôle environnement social et économique compte deux fois plus que le secteur de santé. Ce qui veut donc dire que cette santé, encore une fois, elle est indispensable, elle doit être prise en compte par l'éducation nationale et par tous les acteurs d'éducation nationale et du secteur social. Quand je dis santé, je dis bien-être. Hein, vous, vous avez compris le truc. Si, euh, pour continuer d'enfoncer le clou, hein, je vous ai mis ce, ce modèle de Dahlgren et Whitehead qui, euh, qui montre bien ça. C'est-à-dire qu'ils montrent, pour, pour, pour vraiment euh, enfoncer le clou de cette nécessité de considérer la santé et le bien-être à l'école... La santé des individus serait représentée par le, le, le cercle rouge, et puis on voit qu autour hein, qu'on a, pardon, j'ai peut ouais, j'ai un petit pointeur nickel. On a bah, le style de vie, hein, le style de vie individuel qui va compter dans la santé, bien évidemment. Si vous fumez trois paquets de cigarettes et buvez un litre de whisky par jour, forcément, ça va aller un petit peu impacter votre santé. On a aussi nos réseaux sociaux, alors pas nos réseaux sociaux au sens de Instagram et compagnie, mais nos amis, nos relations, nos collègues, dans quel environnement on vit. Est-ce qu'ils ont sur nous une influence positive ou négative dans euh, la qualité de vie Et puis au-dessus, on a plein de déterminants, et notamment, hein, on a l'éducation qui va, là encore une fois, être indéterminant parmi tant d'autres. On retrouve bien évidemment l'agriculture et la qualité de la nourriture, l'environnement de travail, le taux d'emploi ou de chômage, la qualité de l'eau, la qualité du service de soins et la qualité des logements. Tout ça comptant pour la santé. Mais vous voyez encore une fois que l'éducation va impacter fortement la santé, et notamment via ce fameux bien-être social et ce bien-être psychologique. Pourquoi s'en occuper donc, à l'école, pourquoi s'occuper de ce fameux bien-être bah Parce qu'on sait qu'il y a un lien fort entre réussite et état de santé des jeunes. Donc, vous voyez, j'ai mis deux études qui commencent à dater, hein, parce qu'elles ont 18 ans et 16 ans. Il euh, y en a des nouvelles qui sortent régulièrement, où on sait que, en fait, plus un enfant est en bonne santé, plus un enfant est bien, plus son niveau de bien-être est élevé à l'école, plus il va être en réussite. Et on sait aussi que plus il va être en réussite scolaire, plus ça fera un adulte qui ressentira du bien-être à l'âge adulte. Justement, plus ça fera un adulte en bonne santé. Donc on a cette sorte de cercle vertueux entre apprentissage et bien-être santé. Mieux je, mieux je me sens, mieux j'apprends, et mieux j'apprends, plus ça fera de moi un adulte en bonne santé qui ressent du bien-être. Bien évidemment, comme tout cercle vertueux, il peut malheureusement être vicieux. Ouais, moi je suis bien, moi j'apprends, et moins j'apprends, moi je serai un adulte en bonne santé plus tard. Donc l'école, c'est évidemment un lieu privilégié pour mettre en œuvre des actions promotrices de santé, pour réduire notamment les inégalités sociales de santé et développer le bien-être. C'est un lieu privilégié d'abord et surtout bah parce que quand on veut toucher l'ensemble d'une population, bah l'école c'est quand même bien pratique. Alors on n'a jamais 100% de taux de scolarisation notamment en France, mais on s'en approche quand même euh, fortement. Euh, et donc c'est vraiment un lieu où on va pouvoir... C'est le seul lieu où on peut toucher quasiment 100% d'une population. Après, une fois qu'ils sont euh, déscolarisés, une fois qu'ils sont sortis du circuit scolaire à partir de 16 ans, et même avant d'ailleurs, eh ben, on a du mal à toucher euh, toute la population. Donc l'école, c'est vraiment l'endroit privilégié. Nécessité du bien-être, je vous disais qu'on allait réutiliser ce petit... Euh, ce petit modèle, une étude qui a encore, qui va bientôt avoir 10 ans. Donc, c'est pour vous dire que on est toujours un peu surpris quand l'éducation nationale se réveille et inscrit le bien-être dans les, dans les programmes. C'est que bah, c'était quand même pas une surprise. On le savait. On a de, on a des chiffres. Ça, c'est une étude française, mais il y en a plein d'autres. Alors cette étude française, qu'est-ce qu'elle nous dit C'est l'équipe de notre collègue Fabien Fenouillet qui a montré ça en 2014. Auprès de collégiens, ils ont mesuré les différentes satisfactions de vie dont je vous parlais tout à l'heure. Satisfaction dit par rapport à soi, par rapport à la famille, à l'école, aux amis et à l'habitat. Et ils ont mis ça en corrélation avec trois variables, trois concepts. Le, la, le premier, c'est les résultats scolaires. Donc ils sont allés collecter les compétences acquises ou non acquises. Ils sont allés mesurer aussi l'intérêt de l'élève pour l'école. Et ils sont allés mesurer ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, le SEP, qu'on pourrait euh, appeler de la motivation. Je vous en reparlerai juste après du SEP, mais appelons ça de la motivation. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, ce qui corrèle le plus fortement euh, la satisfaction de vie, à enfin ce qui le plus fortement, pardon, les résultats scolaires, l'intérêt et la motivation, c'est la satisfaction de vie ressentie à l'école. Donc, c'est bel et bien le bien-être que nos élèves vont ressentir à l'école, qui vont avoir le plus de liens. Je ne vais pas parler d'impact, on est sur des corrélations, donc je vais parler de liens, qui vont avoir le plus de liens avec leurs résultats, avec l'intérêt et avec leur motivation. Donc plus un élève sera bien à l'école, plus sa motivation sera élevée, plus son intérêt sera élevé et plus ses résultats seront élevés. C'est quand même bien pratique quand on est prof, d'avoir un moyen comme ça d'améliorer les résultats. Il suffit de leur faire ressentir du bien-être. Alors je mets des guillemets, il suffit, hein, c'est pas si simple que ça, on le sait bien, si vous êtes dans des classes, vous le savez mieux que moi. Ce qui est intéressant de, de, à voir aussi, c'est que souvent quand on est enseignant, euh, pour, pour celles et ceux qui sont là, vous me dites si je dis des bêtises, mais on, on scolarise des fois des, des élèves qui sont en telle difficulté sociale, telle difficulté familiale, où on se dit, mais qu'est-ce que tu veux que moi je fasse Vu ce qu'ils vivent à la maison, franchement, on va pas pouvoir faire des miracles, moi je les ai que 5 heures ou 5 heures et demie par jour. Franchement, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, faisons-leur juste ressentir du bien-être à l'école. Ça sera toujours ça de prix. Parce que vous voyez que l'habitat, les amis, la famille, oui, on a des corrélations, mais elles sont beaucoup plus faibles. C'est bien mieux s'ils ont une satisfaction, une vie élevée en famille, avec leurs amis, avec leurs parents, c'est top, bien évidemment. Mais s'ils ne l'ont pas, ben moi, je n'ai pas trop la main là-dessus, et eh bien c'est pas grave. Moi, mon job, c'est l'école. Et si j'arrive déjà... À faire que l'école soit un milieu protégé, milieu dans lequel ces élèves-là, pendant 5 heures ou 6 heures par jour, vont pouvoir se sentir bien, eh bien, ça aura un impact sur leur motivation, ça aura un impact, un lien, pardon, sur leur intérêt et sur leurs résultats scolaires. Voilà, c'est déjà ça. Alors, évidemment, quand on va parler d'école promotrice de santé, c'est ça, l'enjeu, le, le, c'est d'avoir une approche globale, c'est d'enrôler de, tout le monde et de ne pas rester seule, école, à devoir faire les choses. On sait très bien que l'école, on lui met beaucoup de choses sur le dos, elle a toujours des nouvelles, des nouvelles choses à faire, et qu'il n'y a pas que elle qui doit faire. Mais si déjà l'école prend sa part, ça permettra aux élèves, pendant six heures par jour, de se sentir bien, et ça aura du coup un lien sur leur réussite. Et ça, c'est intéressant. Je vous ai aussi mis cette étude, qui... qui qui va encore enfoncer le clou de la nécessité du bien-être à l'école et de, de ressentir du coup des émotions positives. Cette étude, elle vient d'une équipe allemande, encore elle date, hein, où ils ont mis en corrélation, regardez en haut hein, sur les colonnes, le sentiment d'efficacité personnelle, on le retrouve ici, l'intérêt, la capacité à faire des efforts, la capacité à élaborer ses réponses, la capacité d'autorégulation pour apprendre, appelons ça de l'autonomie, et les résultats scolaires. Et ils ont mis ça au regard de deux types de... D'émotions. Des émotions positives, la joie, l'espoir, la fierté, le soulagement, et des émotions négatives, colère, anxiété, honte, désespoir. Sans rentrer dans le détail des corrélations, on ne va pas faire un cours de stats, mais on s'aperçoit que toutes les corrélations, hormis celle-ci, sont positives, et toutes les corrélations avec les émotions négatives sont négatives. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus je vais ressentir des émotions positives, de la joie, de l'espoir, de la fierté, du soulagement, plus ma motivation va être élevée, plus mon intérêt va être élevé, plus je vais faire des efforts, plus je vais élaborer mes réponses, plus je vais être autonome et plus mes résultats scolaires seront élevés. Et quand on est enseignant, bah, avoir des élèves motivés, des élèves intéressés, des élèves qui font des efforts, bah, c'est quand même pas mal. Pour discuter souvent avec eux, c'est souvent qu'ils me disent Ouais, mais non, ils ne sont pas motivés, ils baissent les bras, ils ne font pas d'efforts. Et à l'inverse des élèves qui ressentiraient de la colère, des élèves qui seraient anxieux, des élèves qui auraient honte, qui seraient désespérés, donc tout l'inverse du bien-être, eh bien, ça va aller, ça va avoir un lien négatif, c'est-à-dire que plus ils vont ressentir de la colère, moins ils vont être motivés, moins ils vont avoir d'intérêt, moins ils vont faire d'efforts, moins ils vont élaborer, etc., etc. Donc là encore, les émotions, elles ont été beaucoup mises sous le tapis à l'école, si ce n'est chez les euh, collègues de maternelle, qui depuis... Euh, très longtemps, n'ont pas attendu ces travaux-là pour voir que les émotions, c'était un peu nécessaire de les travailler chez leurs élèves s'ils voulaient en faire quelque chose. Mais très rapidement, les émotions, euh, c'est dégagé. Hein. Déjà, dès le cycle 2, cycle 3, on a tendance à plus y penser aux émotions. Je ne vous parle même pas du collège et des lycées. Ah non, bah vous comprenez, je suis prof de maths, je ne vais pas bosser sur les émotions des élèves. J'ai rien contre les maths, hein. je donne souvent l'exemple des maths, je suis désolé, peut-être des profs de maths dans la salle, j'ai rien contre les maths. Euh, mais vous voyez cette fameuse prise en compte du bien-être et ce, ce, cette prise en compte des émotions, en tant que pédagogue et j'irai au-delà de prof, au-delà de profs disciplinaires, de profs des écoles, profs de collège, profs de lycée, au-delà de ça, en tant que pédagogue, on est obligé d'en tenir compte, parce que c'est un levier d'apprentissage. Et comme en tant que pédagogue, notre job, c'est quand même d'aider des élèves à apprendre, bah, utilisons ces leviers-là, ils fonctionnent. Une autre étude plus récente, puisqu'elle date de 2021, celle-ci, c'est une étude qu'on a faite avec des collègues de Lyon 1, justement, de l'université de Lyon, 1 à laquelle j'appartiens. On a fait une étude auprès de collégiens pour essayer d'évaluer justement l'impact de cette satisfaction de vie sur leur motivation et sur leur intérêt pendant le Covid. Donc en fait, on a mesuré, on avait des mesures de bien-être et des mesures de. Des mesures de bien-être, des mesures de motivation et des mesures d'intérêt avant Covid, et on allait mesurer pendant le confinement. Et on a regardé un petit peu ce que ça donnait. Et on s'est dit, nous, on pensait, on avait fait l'hypothèse que plus l'élève aurait été mal au collège, plus il aurait été content d'être confiné. En gros, tant mieux avec ce collège que je déteste. Enfin, deux mois peinards, où je ne vais plus voir mes profs, si ce n'est en visio et encore. En fait, on a trouvé tout l'inverse. C'est-à-dire que plus les élèves rapportaient des niveaux de bien-être élevés avant le confinement, plus ils ont apporté des niveaux élevés de motivation, d'intérêt, et y compris de bien-être dans leur famille pendant le confinement. Et inversement, ceux qui n'étaient pas bien au collège n'ont pas été bien chez eux pendant le confinement. Donc ce bien-être dans les établissements, il constitue une sorte de réservoir. À motivation, de réservoir à intérêt en cas de coup dur. Donc, si vous voulez, c'est encore un, une corde à, à son arc. On a encore une corde là, supplémentaire sur laquelle on peut tirer pour justifier le fait de travailler ce bien-être à l'école. Faisons-leur ressentir le maximum de bien-être. Comme ça, si jamais ils ont un coup dur, eh ben, ils pourront s'en servir en dehors du collège. Donc, vous voyez, il y a cette porosité qui est, euh, qui est super intéressante. Et puis le bien-être, bon, on le sait aussi depuis longtemps, c'est une source de motivation. C'est-à-dire que si je vous disais que je vous allais vous reparler du sentiment d'efficacité personnelle, et ben le voilà. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est un concept motivationnel qu'on doit à Albert Bandura, un psycho-canadien, qui nous dit que euh, le, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la croyance qu'on a en ses capacités à résoudre une tâche. C'est un peu comme la confiance en soi, si vous voulez, sauf que la confiance en soi, c'est une sorte de trait de caractère un peu large. Une presque un trait de personnalité, on va dire de quelqu'un, lui, il a confiance en lui. Le SEP, on est vraiment sur quelque chose d'hyper contextuel. On peut avoir un SEP élevé en numération, mais faible en géométrie, par exemple. Voyez Et la recherche nous dit que plus notre SEP est élevé, plus on réussit. Et ça, ça a été montré dans plein de pays, dans plein d'activités, que ce soit des activités physiques, que ce soit des activités intellectuelles, que ce soit des activités. Euh, tout type d'activités, activités professionnelles. Plus notre SEP est élevé, plus on réussit. On a même des corrélations plus fortes entre SEP et réussite scolaire qu'entre quotient intellectuel et réussite scolaire. Vous voyez, d'où la puissance de ce, de ce sentiment d'efficacité personnelle. Or, ce sentiment d'efficacité personnelle, il a quatre sources. Ça veut dire qu'on peut travailler de quatre manières pour l'augmenter. La première manière, c'est de mettre un individu en réussite. Quand je suis en réussite sur une activité, bah, quand je suis à nouveau confronté à cette activité, bah, je me sens en confiance et donc je m'engage et je la réussis. Deuxième source, c'est ce que Bandura appelle les apprentissages vicariants, mais c'est ce qu'on pourrait appeler l'émulation. Je vois mon voisin se lancer dans son truc, j'ai l'impression qu'il réussit, ben moi je vais faire pareil. Troisième source, les encouragements. Oui, ça marche les encouragements. Encourageons, encourageons, encourageons. On a souvent tendance à l'oublier à l'école que ça fonctionne. On a moins tendance à l'oublier quand on est au stade ou quand on est sur le bord de la route autour de France. Où on va encourager tout le monde, les bons comme les moins bons, les premiers comme les derniers. Quand on est en conseil de classe, en collège, en fin de trimestre, et qu'on fait des tours de table, des tours de table, pour savoir si on l'encourage ou si on ne l'encourage pas, parce que tu comprends, il a perdu un point en EPS, oui, mais moi en maths, voilà. si on faisait tout ce, ce bazar pour savoir si on encourageait notre équipe de foot, ah non, non, moi, ils n'ont pas mis de buts, franchement, moi en dessous de deux buts, je n'encourage pas, vous voyez, ça n'aurait pas de sens, quoi. Et je dis ça en tant que Stéphanois, hein, donc euh, vous voyez qu'on n'encouragerait pas souvent notre, notre équipe. Et donc, euh, donc bien-être, dernière source, alors elles ne sont pas classées forcément par ordre d'importance, mais je l'ai mis en dernier le bien-être. Le bien-être est un pourvoyeur de sentiments d'efficacité personnelle, donc un pourvoyeur de motivation. Et en le pressant instinctivement, on sait bien que plus on est stressé, plus on a peur et moins on est motivé. Plus je suis apaisé, plus je ressens du bien-être, plus je me sens sécurisé, bah plus j'ai tendance à m'engager, plus j'ai tendance à faire les choses, à me lancer dans les activités. Et encore une fois, plus mon SEP est élevé, plus je vais réussir. Donc voilà encore un levier qui va nous permettre de faire réussir nos élèves à base de bien-être. Au niveau institutionnel, on va passer très vite parce que ce n'est pas les choses les plus marrantes, mais c'est simplement pour souligner... Ce que, tu, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est qu'on s'en occupe quand même dans le cadre de l'éducation nationale. Donc en tant que professionnel, pour, pour les professionnels qui sont avec nous, ben on est assez tranquille. C'est-à-dire qu'on peut dire, mais non, mais ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une mode. Non, c'est écrit dans les programmes, et ça c'est plutôt intéressant. C'est pas non plus très vu, hein. vous voyez que plus ancien, c'est 2013. Après, en 2016, on a le fameux parcours éducatif de santé qui a fait beaucoup de bien à l'éducation nationale, ce parcours éducatif de santé. C'est les collègues de Lyon hein, qui ont poussé, hein. euh, l'équipe lyonnaise qui a poussé pour, pour que ça soit écrit noir sur blanc dans les programmes, ça c'est intéressant. Parce qu'enfin, quand les, les, les profs étaient inspectés et que les inspecteurs leur disaient ⁇ ouais, mais vous comprenez, vous êtes en retard sur le programme ah ⁇,⁇ Oui, mais bon, moi je, je travaille un peu l'attention, je travaille un peu la mémorisation parce que je m'aperçois que sinon, ils ne sont pas prêts. Eh c'est écrit dans les programmes. Alors qu'avant, on pouvait toujours leur reprocher, ben bah non, mais vous ne faites pas les programmes. Or, les programmes, on s'en fout un peu, hein. on est un peu d'accord avec ça. L'idée, c'est quand même qu'ils soient d'abord prêts à encaisser les programmes, et puis quand ils sont prêts à encaisser les programmes, on y va. Mais s'ils ne sont pas prêts, c'est pas la peine d'y aller. Okay mais ça, la mentalité commence à changer hein, là-dessus, hein. la mentalité commence à changer. C'est pas faute de le dire. Hein. 2018-2022, euh, premier texte, et ça c'était plutôt intéressant, premier texte conjoint Éducation nationale, ministère de la Santé. À l'époque c'était Buzyn Blanquer hein, qui avait écrit un, un, euh, voilà, un, tout un référentiel de compétences autour de la santé à l'école qui, pour une fois, Liaient vraiment les deux. Et puis 2020, les très mal nés en France écoles promotrices de santé, puisque le VADEMECOM des écoles promotrices de santé est arrivé dans les établissements en février 2020, un mois avant le confinement. Euh, donc on avait bien autre chose à penser. Et là, vous voyez, hein, par rapport à mes trois pôles de santé, bien-être physique, social, psychologique, le bien-être physique a pris toute la place. pas une pas une critique. Heureusement, hein. Et ça a sauvé des gens, mais il n'empêche que très rapidement, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé On s'est dit, ouais, mais il y a peut-être des gens quand même, faut peut-être qu'on s'occupe un peu de leur santé psychologique et de leur santé sociale. Mais le premier réflexe de santé, c'est santé physique. Bon, les VADEMECOM sont à disposition, allez les voir, allez voir sur EDUSCOL. Ce VADEMECOM, il n'est pas, euh, pas mal fait. C'est la DGESCO qui l'a émis. C'est quelque chose d'assez euh, assez utilisé les écoles promotrices de santé, c'est pas non plus une lubie française. Hein. c'est quelque chose, c'est un modèle européen qui est développé depuis une trentaine d'années en europe, notamment dans les pays euh, scandinaves, mais pas seulement. je pense aux collègues portugais avec qui on travaille, aux collègues espagnols, aux collègues grecs qui, euh, qui travaillent beaucoup sur les écoles promotrices de santé, à la, aux collègues slovènes aussi. l'idée des écoles promotrices de santé, c'est justement de s'appuyer sur le concept de promotion de la santé et d'avoir cette approche globale de la santé, donc globale du bien-être. Et donc de dire que certes, l'école est un maillon fort, est un maillon indispensable, mais que ce n'est pas le seul, et que ce, ça va être dans le partenariat avec les parents, avec les, euh, les décideurs publics, les mairies notamment pour les écoles, mais les régions et les départements pour les lycées et les collèges, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble. On est en train, nous, sur le département de la Loire, avec la ville de Firmini, d'expérimenter. De, un dispositif d'école promotrice de santé, c'est justement avec la municipalité et la DSDN de la Loire qu'on travaille pour essayer de toucher le plus de monde possible. Comment fait-on Eh bien, on va travailler, et là, pour les spécialistes des CPS qui sont dans la salle, vous me voyez venir on va travailler notamment sur trois dimensions. Sur les domaines cognitifs, sur les domaines sociaux et sur les domaines comportementaux. Et vous voyez bien que ces domaines cognitifs, sociaux et comportementaux, ils ne sont pas forcément réservés à l'éducation nationale. Si vous êtes membre d'une association, si vous êtes entraîneur sportif, si vous êtes médiateur dans un musée, ça, ça doit vous parler. On peut très bien travailler ces dimensions-là. Si vous êtes travailleur social, bien évidemment aussi. Euh, mais voilà, les. J'ai envie de dire, et avec tous mes a priori et, et, et tous mes gros sabots, quand on est éducation nationale, on a tendance à dire Nous, notre job, c'est le cognitif, les travailleurs sociaux ont tendance à dire Mais nous c'est le côté social, etc. etc. Vous voyez et les psys, bah, nous c'est le comportement. Bon, en fait, on s'aperçoit que c'est un peu tout est interrelié et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc l'école, c'est ce que je vous ai mis, est un milieu dans lequel les questions relatives à la santé sont utilisées pour compléter et enrichir les priorités pédagogiques, comme l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Bon, J'ai mis ça sur ma diapo, c'était voilà, pour mettre un peu d'huile et pour. Comme je savais que j'allais dire qu'on s'en foutait des programmes, si il faut que j'adoucisse un peu et bon. Non, mais je le crois aussi, on est bien d'accord que les compétences en lecture notamment sont indispensables. Quand on parle de bien-être, voilà, on sait que le langage est une compétence indispensable. Là encore, l'école n'a pas attendu les écoles promotrices de santé pour, pour s'en emparer. Sur quoi est basé le modèle de promotion de la santé Je fais un rappel euh, rapide. Hein. Hop. Sur trois pôles. La promotion de la santé, c'est l'éducation à la santé, c'est la prévention et c'est la protection. Alors à l'école, on va surtout être sur le volet éducation à la santé. Mais on peut aussi être sur la prévention et on peut aussi être sur la protection. Mais vous voyez que la protection, on est surtout sur les politiques publiques, sur l'environnement. Donc ce n'est pas des choses sur lesquelles on a la main directement. On va pouvoir solliciter, notamment via le bâti, via des choses comme ça. Euh, la prévention, bah, bien évidemment qu'on va pouvoir la travailler. Il y a des actes de prévention dans les écoles, que ce soit par les enseignants, mais que ce soit fait aussi par les partenaires. Je pense aux IREPS. Euh, qui vont pouvoir venir faire de la prévention dans les écoles. Et puis, on a aussi euh, ben, tout le volet éducation à la santé, et où on va retrouver ces fameuses compétences psychosociales. Alors, j'ai mis life skills, alors on n'a jamais eu ce débat, tiens, mais euh, moi, je, je trouve que le, le, le terme compétences psychosociales, elles sont mal nées, ces compétences psychosociales, avec ce, ce nom. Notamment pour l'école, parce que à l'école, on s'est dit il y a psycho dedans, et donc c'est pas notre job, on n'est pas psychologue. On leur en demande déjà assez, et ça fait, ça fait depuis des années hein, qu'on leur dit ouais, mais il faut, faut écouter l'élève, il faut. Ah, ouais, je suis pas psy. Et c'est vrai que quand on est prof, on n'est pas psy. Donc je me suis, moi, j'ai toujours pensé, je me suis dit on n'aurait pas dû mettre psychosocial parce que ça, voilà, au niveau euh, identité euh, professionnelle, c'est pas top. Et j'aime bien le terme life skills. Alors on pourrait discuter, c'est pas complètement, on n'est pas complètement sur la même chose, mais quand même. Compétences de vie, compétences pour vivre, compétences utiles pour vivre. Et après tout, on peut être d'accord ou pas, mais quand on forme des élèves, s'il y a des futurs enseignants dans la classe, dans la salle, on va essayer de les former à vivre à peu près correctement. S'ils connaissent le théorème de Pythagore, c'est encore mieux. Mais vous voyez que s'ils ne le connaissent pas, oh, c'est pas voilà, pas remettre en cause toute leur vie quoi. Et je m'acharne sur les maths, hein, c'est horrible. Euh, on va parler d'autonomie, capacité d'autonomie, on va parler aussi de littératie en santé, hein, la littératie en santé, j'en parlerai juste après. Comment on fait justement au quotidien pour travailler cette éducation à la santé, pour travailler cette santé, pour travailler ce bien-être Eh bien, on peut le faire de plusieurs manières différentes, de trois grandes manières différentes. Première manière, au travers des enseignements disciplinaires. J'en reviens à mes fameux programmes. C'est-à-dire que dans le cadre d'une lecture d'album, je vous ai mis un exemple juste après, on peut très bien travailler un certain nombre de compétences qu'on va appeler compétences psychosociales, qu'on va appeler compétences de vie, qu'on va appeler autonomie notamment. Euh, on peut le faire au quotidien dans sa pratique de classe, de par ses régulations, de par sa posture. Et puis on peut le faire, comme ça se fait depuis de nombreuses années, dans le cadre d'un projet spécifique nommé Éducation à la santé. On a beaucoup fait ça en France, les projets d'éducation à la santé, c'est bien, hein mais on sait maintenant que malheureusement c'est pas suffisant. Projet d'éducation à la santé, c'est par exemple vous faites appel à, euh, vous êtes prof de SVT, souvent c'était les profs de SVT qui faisaient ça. Tiens, j'ai mon chapitre sur l'alimentation, je vais faire venir une nutritionniste et on va faire deux séances sur l'alimentation. C'est cool, c'est bien, mais on sait maintenant que ça suffit pas pour changer les comportements. C'est une première approche, mais ça va pas suffire. Et vous voyez que ces trois approches, hein, au travers d'un enseignement disciplinaire au quotidien et dans le cadre d'un projet spécifique d'éducation à la santé, c'est tout à fait complémentaire. Et ça doit se faire tout au long de la scolarité. Donc là encore, il hein, ne faut pas se mettre trop la pression. C'est-à-dire si on ne le fait pas une année, bah peut-être que le collègue le fera. Autant me focaliser peut-être moi sur mon quotidien, sur ma pratique de classe. J'ai pas eu le temps de faire la nutrition, bah tant pis de toute façon, au cours de ma pratique de classe, je leur ai parlé d'esprit critique, on a beaucoup travaillé là-dessus. L'esprit critique, euh, qu'on l'ait acquis pour les réseaux sociaux euh, ou pour l'alimentation, c'est la même chose. Être capable d'avoir un raisonnement quand j'achète un, un produit en magasin ou quand je vois une info euh, sur Insta et savoir si c'est bon, si c'est si vrai, si c'est pas vrai, c'est exactement les mêmes compétences auxquelles on fait appel. Donc si je travaille sur l'esprit le, critique face aux réseaux sociaux, je travaille aussi l'esprit critique face à l'alimentation. Donc on est tranquille. Je vous ai mis un exemple rapide, hein, mais je vous laisserai le, le PowerPoint. S'il y a des profs des écoles, ça doit leur parler, hein, le voyage d'Oregon, avec lequel justement on peut travailler, hein, qui se prête très bien à travailler. Vous voyez, je vous ai mis les, les couples de CPS, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie, savoir gérer son stress, gérer ses émotions, sur l'ancienne appellation l'ancienne classification des CPS. Vous voyez qu'avec cet album-là, avec ces élèves, cycle 1, cycle 2, euh, on peut le travailler. Il y a des albums qui se travaillent en cycle 3, qu'on peut même travailler en, au collège sans aucun problème. Et donc, à travers l'étude d'un album, on va pouvoir aller travailler un certain nombre de compétences psychosociales. Je vais vite, on ne rentre pas dans le détail, hein, et puis je vois que l'heure tourne. Euh, on a jusqu'à quelle heure de, de, de 15 Ah ouais wow. euh, Donc j'accélère. <laughs> euh... Rapidement ce que je vous disais sur la posture. Euh, S'il y a des étudiants de, de Master MEF, on, on a dû vous Il y en a C des... vous êtes étudiant de Master Meff, ouais. On a dû vous rabâcher, vous re-rabâcher posture, posture d'enseignant, posture d'enseignant. Bon, la posture d'enseignant, elle est là, c'est comment je, je, comment j'aborde. Hein, on, on dit souvent, j'ai un collègue euh, prof des écoles qui disait soit je regarde les programmes, soit je regarde les élèves. Hein Et Je l'aime bien cette expression. Bah, regardez les élèves. D'accord Vous l'avez compris. Hein euh, après, il y a des collègues d'INSPE qui seraient là, ils me jetteraient des pierres, ils ne seraient pas du tout d'accord avec moi. S'il y a des didacticiens, je pense qu'ils ne seront pas tout à fait d'accord avec moi. Mais bon, paste. Il n'y en a pas Pas de didacticiens C'est bon. Une espèce en voie de disparition. Euh, L'idée ici de, pour travailler les CPS, hein, c'est évidemment bah, d'accorder le droit à l'erreur. Ça paraît être une évidence, vous allez me dire, mais c'est pas si évident que ça. On a quand même un lourd passé historique en France sur la, le statut de l'erreur. Euh, statut de l'erreur, où on juge une personne avec ses réussites et ses erreurs, hein, sauf qu'en fait, on ne va pas juger une personne, on va juger son travail éventuellement, et encore juger, euh, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, on a sorti le vocabulaire faute de l'école. Les fautes, hein, c'est la religion et éventuellement le tribunal, hein, mais euh, ce n'est pas l'école. Euh, activer le souvenir des succès passés, ça c'est aussi important pour eux, pour faire des liens avec ce qu'ils ont su faire, le fameux feedback. Hein. Le retour d'informations, l'encourager à se faire des amis, santé sociale. Souvent on dit ouais, il est en pleine réussite, mais en fait, pendant la cour de récré, il est dans un coin de la cour et il parle à personne. Mais c'est vrai qu'il a des super notes, hein. toutes ses compétences elles sont acquises. Ouais, mais la compétence sociale, il ne l'a pas, donc avec lui, il va peut-être falloir la travailler. Avoir des attentes réalistes, et je vais même rajouter et élever. Je vous renvoie à l'effet Pygmalion. Confier à l'enfant des responsabilités à son niveau. Ni trop compliqué, ni trop simple. Et c'est là toute la difficulté de l'enseignant, mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt du boulot. Éliminer les, les causes de danger, encourager à trouver des solutions. Encourager à trouver des solutions, ça aussi, hein, ça nous paraît une évidence, sauf que vous allez voir pour les futurs enseignants, euh, le pire ennemi de l'enseignant, c'est le temps. Et donc, comme on n'a pas le temps, et, bah, on n'a pas le temps de laisser les élèves réfléchir, on n'a pas le temps de laisser les élèves se tromper, on n'a pas le temps de laisser les élèves trouver euh, des solutions. Et donc souvent on les donne, parce qu'on gagne du temps. Encourager l'enfant à faire des choix, encourager sa créativité, établir des règles claires et sécurisantes. Plus un élève est sécurisé, plus il s'autorisera à travailler. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la, le sentiment d'efficacité personnelle, ça nécessite du bien-être. Si je ne suis pas sécurisé, je ne vais pas être bien. Mon niveau de bien-être va être hyper faible, parce que je vais toujours me demander ce qui va pouvoir m'arriver. C'est aussi le job de l'enseignant, de mettre un cadre sécurisant dans sa classe. Établir des routines, faire preuve d'empathie et de chaleur humaine, tenir ses promesses. Voilà. Ça, c'est des, des choses hein, qui sont ressorties d'études, de, de recherches, comme des invariants pour la posture de l'enseignant. Et puis, dans le cadre d'un projet éducatif de santé globale, hein, vous rappelez-vous, on l'avait dit de trois manières différentes, bon, ça, c'est des choses que vous connaissez, par exemple, éduquer, éduquer à la santé, éduquer à la citoyenneté. C'est se dire, bah tiens, pendant cinq séances, on va travailler sur l'éducation aux médias. Tiens, c'est la semaine de la presse, nous on va bosser sur justement l'éducation aux médias, esprit critique. C'est ce qu'on appelle des actions d'éducation à la santé ciblées, qui sont encore une fois nécessaires, mais qui sont loin d'être suffisantes. Et puis, j'ai ai évoqué la littératie en santé. Euh, et moi je l'ouvrirais à, à la littératie en, en, en général puisque la littératie en santé c'est peut-être pas celle qu'on va le plus travailler à l'école, on a vu que la littératie en santé était un outil justement pour travailler euh, la santé et le bien-être, la littératie en santé hein, je vous ai mis euh, une, une des définitions hein, motivation et capacité des individus à repérer, comprendre, évaluer et utiliser des informations sur la santé lors de la prise de décision dans les contextes de soins de santé, de prévention des maladies et de promotion de la santé. Cette définition, elle peut être exactement la même si on, si on enlève le, le terme santé. D'ailleurs, les Canadiens appellent beaucoup la littératie ce que nous, on appelle la maîtrise du langage. C'est-à-dire que plus je vais avoir une maîtrise du langage élevée, bah, plus je vais pouvoir bah, comprendre ce qu'on me dit et m'exprimer de la bonne manière et donc apprendre correctement. La littératie en santé, elle est très, bah, comme son nom l'indique, appliquée à la santé, mais cette motivation et cette capacité des individus à repérer et comprendre, évaluer et utiliser des informations, et je m'arrête là, elle est nécessaire. Et vous retrouvez ces compétences-là écrites noir sur blanc, encore une fois, dans le référentiel. On ne parle pas de littératie en santé dans les programmes d'éducation nationale, mais on va retrouver toutes ces choses-là qui correspondent au concept de littératie en santé. Concept de littératie en santé, si je fais une toute petite parenthèse, on sait, il y a des études qui montrent ça, par exemple, on sait que plus le niveau de littératie en santé d'un patient est élevé, plus ces chances de rémission à un cancer sont élevées. Donc vous voyez que ça va loin, hein. on est au-delà de la physiologie, c'est-à-dire que plus on va être en capacité de comprendre ce qu'on nous dit, de comprendre un traitement, de suivre son traitement, d'interroger un médecin, d'interroger une infirmière, ben plus on va avoir de chance dans un protocole de soins pour le cancer, notamment, hein, c'est des études qui sont sorties, mieux on va, mieux on va pouvoir en guérir. Ça renvoie à tout ce qui est observance du traitement. Qu'est-ce que je fais qu une fois qu'on m'a prescrit quelque chose Et puis, euh, comment on fait encore Eh bien, on, on travaille les fameuses compétences psychosociales. Des collègues qui sont euh, bien au clair là-dessus, euh, et, et on terminera sur ces compétences psychosociales. Donc, compétences psychosociales, hein, capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et épreuves de la vie quotidienne. Bah oui, on doit quand même outiller nos élèves à répondre avec efficacité aux exigences pardon, et aux épreuves de leur vie quotidienne, que ce soit en tant qu'enfant, ado et adulte. Et donc, vous voyez, on retrouve notre fameux bien-être, maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres. Pour les étudiants MEF qui sont allés en stage et pour les enseignants qui sont des fois dans des classes, vous voyez que... Euh, entretenir un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, ce n'est pas toujours simple dans les classes. Et j'ai presque envie de dire que ce n'est pas toujours simple dans la vie de tous les jours. Rappelez-vous les dernières grèves et les dernières euh, fermetures de raffineries, si vous alliez dans les stations-essence, des comportements appropriés et positifs à l'occasion des relations entretenues avec les autres, ce n'était pas criant quand même. Hein. Au niveau CPS, ce n'était pas top. Hein. Franchement, il y avait du boulot. Historiquement, les CPS, hein, c'est l'OMS. Les 10, euh, 10 compétences, les 5 paires, je passe assez vite, elles sont dorénavant euh, classées en trois grandes catégories. Les compétences sociales, qui ne sont encore une fois pas réservées aux travailleurs sociaux. Compu compétences de communication verbale et non verbale, écoute active, expression des émotions. Expression des émotions. Attention, des fois, j'entends des gens qui disent ouais, mais vous êtes bien gentil vous avec les CPS, vous voulez euh, que les gens n'expriment plus leurs émotions, qu'ils les cachent. Non, c'est pas l'idée. C'est pas du tout de cacher ses émotions. C'est déjà de les reconnaître, de les voir arriver et d'en faire quelque chose quand elles arrivent. J'ai bossé en ITEP, en institut thérapeutique, dans ma carrière de prof des écoles. Quand il euh, y avait des gamins qui étaient en colère, en général, ils ne sentaient pas venir. Et quand ça venait, ils prenaient une chaise et ils la, ils la lançaient dessus. Ou ils la lançaient sur leur copains, qui n'était plus leur copains à l'instant T d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est problématique quand même. Donc l'idée, c'était pas de les mettre sous cloche en disant non, tu ne dois pas être en colère mon petit bonhomme. C'était de leur apprendre à reconnaître ça, et essayer d'identifier ce qui provoquait ça chez eux. Et donc, quand il sentait monter, peut-être d'imaginer un espace où il pourrait aller se calmer. Ça ne marchait pas à tous les coups, mais ça marchait mieux qu'une chaise dans la vitre ou d'une chaise sur le copain, quand même. Et encore une fois, ça marcherait bien chez les adultes, hein, chez certains. Capacité de résistance et de négociation, hein, gestion des conflits, capacité d'affirmation, je vais assez vite hein, euh, si on veut qu'il y ait quelques questions. Empathie, là encore, l'empathie c'est complètement nécessaire, c'est une compétence qui n'est pas innée chez l'individu, on, on ne naît pas empathique, ça se travaille l'empathie. Et quand vous voyez qu'il y a des élèves qui voient leur copain arriver, qui a une tête... À Horrible et qui est comme ça au bord de craquer et qui vont aller bien appuyer dessus pour bien le provoquer alors qu'il devrait dire ah non là il faut que je laisse tranquille parce que là il est pas bien ce qu'on fait nous en tant qu'adultes et euh, eh bien ça aussi ça s'apprend et donc si ça s'apprend c'est que ça s'enseigne compétences de coopération et de collaboration compétences de plaidoyer je passe assez vite compétences cognitives prise de décision résolution de problèmes pensée critique et on sait très bien que ça devient hyper nécessaire avec fake news et compagnie et le nombre d'informations auxquelles notamment les ados mais déjà les enfants euh, sont confrontés. Il faut leur donner des outils pour les traiter. Quand on voit que même nous en tant qu'adultes, des fois on n'est pas toujours au clair et que c'est compliqué pour nous de les traiter et de s'y retrouver, si on n'outille pas un minimum nos élèves, ça va être la catastrophe. Et puis les fameuses compétences émotionnelles, je vous ai mis une petite vidéo, on n'aura pas le temps de la regarder, mais je vous laisse le lien. Euh, compétences émotionnelles, euh, c'est dans une école maternelle, hein, c'est comment il les travaille, euh, notamment avec une artiste peintre, qui va nous permettre justement de gérer le stress, de favoriser la confiance en soi, l'estime de soi, l'auto-évaluation et l'autorégulation. Voilà, je, passe, je suis désolé, je passe très vite. À quoi ça sert de travailler ces CPS eh bien, Que nous dit la recherche Elle nous dit que ça favorise le développement global, social, émotionnel, cognitif et physique. C'est quand même bien pratique. Ça améliore les interactions. Ça augmente le bien-être. Tiens, le revoilà. Et ça contribue donc à diminuer hein, les comportements défavorables à la santé et augmenter les comportements favorables. Euh, et ça pousse aussi à une adaptation sociale et à la réussite éducative. Chez les ados, c'est exactement la même chose. Plus... Bah, pas mal d'avantages au niveau de tout ce qui est euh, conduite sexuelle à risque, tout ce qui est substance, consommation de substances psychoactives, drogue, tabac, alcool. On est en train de nous travailler euh, avec l'université Jean Monnet et la Ligue contre le cancer justement à un projet où on essaye d'étudier un petit peu les liens entre réseaux sociaux et consommation alcool-tabac chez les, chez les collégiens et il euh, y a du boulot. Euh, je ne vous l'ai pas mis, mais ça marche aussi, évidemment, chez les parents et chez les adultes, et on sait que plus le niveau de compétence psychosociale est élevé chez les adultes, plus ça fera... Enfin, chez les parents, plus ça fera des enfants avec des CPS élevés. Et c'est bien évidemment l'affaire de tous. vous inquiétez pas, en tant qu'enseignant, ça vous retombe pas encore sur le dos. Vous avez vu que c'est au quotidien dans votre classe de toute façon, notamment via votre posture, donc ça ne vous, ça vous demande pas plus de travail. Mais c'est aussi tout le monde, tous les autres, tous les autres partenaires de l'école... Euh, Enfin, C'est l'affaire de, de tous ces gens-là pour justement essayer de les travailler et de les améliorer. Je vous ai mis des ressources, euh, évidemment l'incontournable cartable CPS euh, de l'IREPS euh, du Val-de-Loire, des petites vidéos, une ASSO euh, dans le 51 euh, qui, est, voilà, qui développe des outils et des jeux pour les compétences psychosociales, pas forcément dans le cadre scolaire. Et puis, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure en, en aparté, euh, le réseau UNIRES, là auquel j'appartiens, qui est un réseau de, de chercheurs et de formateurs autour des questions d'éducation à la santé, on a recensé euh, sur Internet, il y a de ça un an ou deux, euh, des, des, euh, des activités clés en main. Vraiment, c'était l'objectif pour les enseignants autour des CPS. Alors, on sait très bien que les activités clés en main, on peut les essayer et que ça donne souvent. A envie d'en savoir plus, envie d'en fabriquer nous-mêmes. Donc c'est une bonne porte d'entrée. Vous avez qu'à flasher le QR code et ça vous emmène directement sur le, sur le site qui est hébergé par nos, par nos services, enfin, par notre asso. Et vous verrez, il y a plein de choses. On, on les a classés euh, par âge. C'est discutable. Vous verrez allez voir dans les autres âges parce que vous pouvez très bien les adapter. Euh, voilà ce numéro de la en action qui commence à dater, qui est pas mal. Et puis euh, le référentiel des compétences. Et j'ai terminé. <laughs> Merci. Merci beaucoup, Julien, pour cet exposé très clair. On a donc encore quelques minutes. Si vous avez des questions ou des remarques. Ah, poser des questions, sinon que ça va me faire regretter d'être allé trop vite, et j'aurais pu utiliser les cinq minutes. Je vais, comment... oui. Ouais. Bon. Ah. Euh, on dit parfois que des élèves peuvent être réfractaires au système scolaire parce qu'ils ne rentrent pas dans ces cases-là et je ne vois pas comment, même si on leur, on leur procure euh, du bien-être, ils peuvent adhérer à notre système scolaire qui est quand même euh, assez cadré. Je parle du système classique, pas forcément ouais. des voies pro ou, mm -hmm. ou quoi oui, ouais, je suis complètement, euh, complètement d'accord. Euh, on a des élèves qui effectivement sont réfractaires. Alors la question de savoir, c'est pourquoi ils le sont. Euh, que nous dit justement la motivation là-dessus C'est que souvent, s'ils sont réfractaires, c'est qu'on les a rendus réfractaires. Et ça renvoie à une théorie de la motivation qui s'appelle la résignation apprise, et qui nous dit qu'en fait, si on se résigne, ce n'est pas un trait de caractère, c'est parce qu'en en fait, on a été mis plusieurs fois euh, dans une situation pour laquelle on n'avait pas de solution. Et donc, à force de jamais avoir de solution chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, on arrête de s'engager, on arrête d'être motivé, on ne fait plus rien, on se résigne. Pour certains de ces élèves, la théorie que je viens d'aborder ne fonctionne peut-être pas pour tous les élèves, clairement, s'ils sont résignés, il va falloir, je parlais des programmes, euh, il va peut-être falloir justement se centrer sur leur bien-être, se centrer sur leur rapport à l'école, avant même de se soucier des apprentissages. Mais ce n'est pas simple à faire, clairement. Parce que si tu as une classe de 25 élèves et que tu en as deux qui ne rentrent pas du tout dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on en fait C'est sûr que là, l'institution, elle a des limites. L'idée, c'est peut-être de construire quelque chose pour un certain temps, pour ces élèves-là, de construire un parcours personnalisé. Ils ne feront pas les mêmes choses que les autres, c'est sûr. Ça ne sert à rien de leur faire du, du bourrage de crâne pour faire faire la même chose que les autres. Il va falloir inventer des dispositifs. Pour que ces élèves-là soient dans un premier temps, non pas exclus, qui restent chez eux, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient inclus, mais qu'ils fassent d'autres choses. C'est dur à dire, c'est dur à faire et c'est dur à défendre, parce que ça se défend avec l'élève, mais ça se défend avec la famille et ça se défend avec les copains aussi. Parce que pourquoi euh, lui, il fait pas, pourquoi lui, il est au fond sur les coussins avec un livre ben Parce que lui, pour l'instant, il en est là et il a besoin de ça et peut-être que ça lui prendra trois semaines, quatre semaines, dix semaines. Et petit à petit il reviendra. On fait ce pari-là. Hein. Tu sais, c'est le, le pari de l'éducabilité qu'il faut avoir, à mon avis, chevillé au. C'est vraiment le fronton quand on devient prof des écoles ou prof tout court. Principe d'éducabilité. Donc c'est-à-dire que chacun est en capacité d'apprendre des choses. Pas à la même allure, pas au même moment, pas. Euh... Ils n'iront pas tous au même endroit, mais chacun progresse, progressera. Si trois semaines après il est capable d'être à un bureau avec son bouquin et plus complètement au fond de la classe, ça sera peut-être bien. Et puis si après tu vois Donc l'idée, c'est ça. C'est pourquoi il n'est pas bien Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il accepte d'y être Moi, je me rappelle d'une petite fille qui avait eu besoin, euh, elle était en panique euh, avant d'arriver à l'école. Chose qu'elle n'avait pas avant, hein, parce qu'en plus, c'était une petite qu'on avait depuis la maternelle dans l'école. Et arrivée en CE2, panique, impossible de rentrer dans la classe. Elle ne voulait plus rentrer dans la classe. Et en fait, pendant, je crois... Plus d'un mois, elle est passée par la bibliothèque, par la BCD, et elle était autorisée à rester le temps qu'elle voulait dans cette bibliothèque. Et je la voyais pointer son nez dans ma classe au bout d'une heure. Bon, on l'avait parlé, on l'avait dit aux autres, parce que les autres disaient oh ouais, mais moi aussi, je vais à la bibliothèque, c'est cool." Ben ouais, elle en a besoin. Et ça s'est réglé tout seul. Et puis bah ben voilà, je crois qu'elle est en terminale aujourd'hui. Euh, tu vois, donc euh, ne pas hésiter à être souple, à être inventif à essayer des choses, c'est des, des, quelque chose dans notre métier qui est génial, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez inventer. On a une liberté pédagogique en France qui est top. Donc quand vous avez un élève qui n'y arrive pas, qu'est-ce que je pourrais inventer Plantez-vous, ça ne marchera pas à tous les coups. Il y a des dispositifs, ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Il y a des élèves, on ne les rencontre pas, ça ne fonctionne pas, ben on fait le pari que l'année suivante, le collègue, lui, il y arrivera. Il faut aussi travailler en équipe. Si moi, je n'y arrive pas, peut-être que ça passe mieux avec mon collègue. Euh, si je suis à, au, au lycée, que je suis prof de maths, qu'il n'aime pas les maths, je peux peut-être bosser avec le, le collègue d'EPS. On va mettre des choses en place, comme ça, ça le fera aimer les maths via l'EPS. Voilà, inventer, inventer, inventer. Rien n'est sûr, rien n'est gagné. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien et qu'on voilà, qu lui appuie la tête sous l'eau... Ça va être catastrophique pour lui, ça va être catastrophique pour toi, parce que tu vas mal le vivre, il va te faire exploser le, le, la, la classe, et ça sera catastrophique pour les autres aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ouais. soyez souple cognitivement quoi, et, dans votre, et professionnellement. Mais ce n'est pas simple. Après, je ne sais pas, il y a des professionnels, hein, donc complétez... Euh... Je n'ai ouais, pas de leçons à donner. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh... J'avais peut-être une, une question sur l'étude que vous avez menée pendant le, la période de Covid, où tu disais finalement ceux qui allaient bien à l'école, ils allaient aussi bien aussi à la maison par la suite. Euh, mais je me posais la question si ce n'était pas euh, des facteurs communs à la base, c'est-à-dire... Euh, le fait que dans la famille ça se passe bien etc., ouais. fait que ça va mieux à l'école et qu'ils développent mieux leurs compétences psychosociales et du coup oui. ils s'adaptent mieux à des situations difficiles grâce à leur CPS développé. Ouais c'est bien possible c'est bien possible et ça nous on n'avait pas l'info parce qu'on l'a fait en catastrophe et euh, on a saisi l'opportunité et clairement il aurait fallu avoir d'autres indicateurs et des indicateurs socio-économiques et ça aurait été, ça aurait été ouais plus complet, parce que c'est pour ça qu'on n'a fait qu'une étude corrélationnelle, parce qu'on n'était pas sûr des impacts, il y avait quand même des biais. Euh, mais oui, on peut on peut faire cette hypothèse-là quand même, que ces, ces élèves-là, de toute façon, ça se serait passé comme ça aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question Bien, merci beaucoup euh, Julien pour ah, cette merci. belle présentation, et puis n'hésitez pas à aller voir toutes les ressources en ligne. Merci beaucoup. thank you